on va repartir avec un virus Necroa. Virus Necroa. Alors. Boost ATP, toujours. Darwiniste. Non, on va pas mettre Darwiniste. Hein. Je veux pas que les chances augmentent. Transmission par les terres, c'est bien. Donner. Ah oui, oui, bah oui. Marche mieux dans les climats aridés. C'est tout bon. En normal. Et maintenant, il faut lui trouver un petit nom. Sache, Luciole, que j'aime bien ton idée. Et donc, nous allons... Non, Thiboud. Pas cette idée-là, non. Nous allons donc partir sur Necromagnon. Oui, je l'ai bien écrit comme Luciole l'a écrit. On va commencer. Évidemment, hein, vous connaissez les bases. On commence en Chine. Oui, et bonsoir YouTube, en effet. Bonsoir YouTube. C'est vrai que j'ai oublié de dire bonsoir à YouTube, en effet. Bonjour YouTube. Donc, virus Necroa, pour avoir la définition, il faut aller voir l'épisode 2. Voilà, je ne la lirai pas ce soir. Oui, des bulles ADN. Oui, des points, des points. Ah oui, c'est ces trucs-là. Non, bah la salive, hein, comme d'hab. Hein. Faites-vous des bisous. Hein. Oh, 5 infectés, attention, ça fait des bisous. Bon, bah on part sur l'eau, hein. C'est parti. Hein. On a le Groenland à infecter, après tout. Necromagnon. Ce nom commence à se propager. J'adore ce nom. En vrai, il est génial, Luciole. Ah, je me suis dit, hein, c'est le bon moment pour jouer à ce jeu. Hein. Ça passe parfait. Qu'est-ce que je peux faire de plus transmission, rien de vraiment... Non, mais non, j'ai pas envie qu'ils mangent leur caca. Non, ça ira. Sur quoi allons-nous partir d'autre? Transmission par le sang. Ça, après, on peut partir sur... faire... avec l'air pour les bateaux. Pour les bateaux. L'air et les bateaux. Mais oui, oui, je suis logique. L'air et les avions, oui. L'air et les bateaux. Personne m'a repris, c'est ça le pire. Non, les bulles rouges de l'ADN, tu crois? On les connaît. Les bulles. Des bulles partout. Attention, une bulle ici. Et une bulle. Freine le virus, bah du coup, résistance aux médicaments. Hein. Meilleur moyen pour pas que ça freine le virus. Ouais, transmettra un peu par l'air. Pour les avions, c'est du moins que j'ai des bateaux, le Groenland devrait être touché un de ces jours. C'est Azuno. Oh, une bubule. Voulez-vous une info inutile sur ce jeu que j'ai vu l'autre jour en regardant les succès? L'info est qu'il y a un succès pour empêcher l'Angleterre de faire... Bah, le Royaume-Uni de faire le Brexit. Necromagnon, comment tu vas? Ah oui, oui, il a fait bien le cerveau. Hein. C'est pas mal. Et c'est quoi ce truc-là, d'ailleurs? Expansion urogénitale. Le virus peut se répliquer dans... Les reins et les voies urinaires augmentent l'infectiosité par voie urinaire et autres fluides corporels. C'est sale, je le prends. Un nouveau symptôme, c'est génial. Sauf que je ne veux pas de nouveaux symptômes. Je ne veux pas de symptômes. Non, nous n'existons tout simplement pas, mon petit. Ah, j'ai loupé une bubule. Non. Arrête avec les nouveaux symptômes. Je te le dis tout le temps. Je dis à chaque, en fait, à tout le monde. Chaque virus, faut arrêter. Infecter le monde et on... Je commence vraiment à en avoir marre, hein, qui... Insomnie tout le temps. Non, tu ne provoques pas d'insomnie, sinon ils vont te trouver. Je ne veux pas qu'on te trouve. Sauf que tu n'es toujours pas arrivé au Groenland. Et encore insomnie. J'en ai marre. Ah oui, non, mais à Calis, hein, le Groenland sur Plague. Au secours, secours. On en a marre du Groenland sur ce jeu. Moi, je me dis, j'allais vivre là-bas, hein. On chope aucun virus. Bon bah j'ai lui laissé le symptôme insomnie, c'est bon. J'aimerais bien juste que genre tous les pays du monde soient infectés, mais il manque Groenland, Maroc et Afrique centrale. Moi ça va. Pourquoi il est sur la liste de surveillance? Alors, Necromagnon est maintenant sur la liste de surveillance de WHO. Bien qu'encore peu dangereux, les gouvernements craignent une éventuelle source plus létal de l'infection. Non. Mais non, il sera pas létal. Un peu plus que ça. Eh, au Groenland, s'il vous plaît, faites-vous des bisous, là. Ah, ils ont trouvé un meneur. Ils sont déjà à 20%. Alors, je sais qu'on pourrait faire ça et tout, hein. Mais clairement, résistance au froid, hein, parce que on chopère, t'avance pas au Groenland, donc j'ai pas le choix, hein. S'il vous plaît, plus d'infectés. Ouais, un de plus. Génial. S'il vous plaît, un peu plus d'infectés, histoire qu'il y ait des zombies et que ça aille plus vite. 40% déjà. Aïe, aïe, aïe. Bon, le Canada, ça va, plus 9000 infectés, c'est pas mal. Les cendres, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va encore. Un peu plus d'une centaine, ça passe. La peur ralentit l'économie.
Ah, ils ont peur de ce virus, mais il fait rien. Je commence à plus avoir le choix, en fait. Résistance au froid 2, résistance au froid 2, c'est parti. Et on va commencer à essayer de le faire devenir des zombies. C'est pas sûr. Pas de remède pour les zombies des humains, on presque... Oui, mais je peux pas les faire devenir des zombies. Une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas assez de points. Et une partie de perdu. Et c'est perdu. C'est la triste pour le nécromagnon. Et bon, bah, défaite. Réessayer, hein, évidemment. Oh, j'ai une nouvelle gêne. Ah, mais non, je l'avais déjà. Du coup, comment allons-nous l'appeler, la deuxième version? Est-ce qu'on l'appelle Necromagnon V2? Hep, hep, hep. Avant de continuer, pensez à vous abonner, à mettre un like, à commenter et à me suivre sur Twitch. Bon, reprenons. Où est-ce qu'on lui change son nom? Necromagnon. Ah, oh, vas-y, Necromagnon. Et vous savez quoi? J'ai envie d'être joueur. J'ai envie d'être très joueur. Très, très joueur. On va commencer au Groenland. J'ai envie d'être très joueur. D'être un peu trop joueur. Ma transmission, hein, et à la salive, hein, évidemment. Et ça, allez, Necromagnon, venge ton frère. Bon, hein, on sait que c'est un virus Necroa, hein. Exactement, Aldri, c'est le variant Inuit. Deux infectés, ouais. Ça va déjà plus vite qu'en Chine, hein, parce qu'en Chine, on attend déjà pour les avoir les quatre. Pour en avoir plus d'un, là, ça avance. On part tout de suite sur la résistance au froid, hein, parce que sinon... Bon, et vu qu'on a des points en plus... On va partir sur le salive 2. Hein. Faites-vous des bisous. Hein. Bon, après, par contre, il va falloir très vite que je prenne l'eau niveau 1 et l'eau niveau 2. Parce que sinon, avoir du mal à partir en bateau et avoir du mal à infecter le reste du monde. Donc, au niveau 1, vu qu'on peut, et au niveau 2, ça sera à 14. Donc, on a encore une petite marge. Allez, les 14 points, on part tout de suite en au niveau 2. Comme ça, hop, dès qu'il y aura un bateau, il y a plus de chances que le bateau ait des gens infectés à son bord. Je dis, ouais, ils vont tous être infectés. Pas du tout, pas du tout. C'est juste que ça fait... Sur du blanc, le rouge, ça se voit plus, en fait, c'est tout. Ils vont tous y passer. Bah, tous devenir infectés, je veux dire. Pas y passer, c'est pas encore l'heure d'y passer. Mais bientôt, bientôt. Oh, la Russie en plein festival de la mort. Mais c'est parfait, ça a augmenté le nombre d'infectés. C'est beau. Oh, la Chine est touchée. Oh, quel dommage. Cette astuce, le bulle rouge donne de l'ADN. Tu crois que je le sais pas? J'ai des poids. Qu'allons-nous faire de ces poires? Allons-nous les garder? Oh, on va faire une petite infection du sang parce que c'est bien pour pouvoir développer l'air qui puisse se déplacer en avion. Ouais, utiliser des poires pour les médicaments, ça peut être bien en vrai. Ça coûte combien? Ça coûte 10, allez. Hop, résistance aux médicaments. Plus de poids. Plus de poids, s'il vous plaît. C'est ça, la chlorotide, elle marche plus grâce à cette résistance. C'est exactement ça, mon cher Aldri. Oh, la Russie, là. Ouais, tout le monde est infecté, en fait. Ouais, le dégradé de la Russie, il est pas mal. Hop. Ah non, non, ouais, j'allais repartir sans mes... Hop, hop. Il est long à se propager. Bon, là, au moins, c'est bien. Il mute pas. Ça me pose pas de problème. Oh non, des nouveaux symptômes. Pas tout de suite. Tu attends un peu. On était bien parti. J'avais dit que c'était bien parti. Donc, non. Ouais, c'est exactement ça, Calice. Ah, tu crois que je mute pas? Ah bah tiens, je mute. Il reste encore beaucoup trop de... Ça va encore, mais il reste encore beaucoup trop de pays non infectés. Hein, je me dis quand même, il est arrivé au bon moment. Il est arrivé en Russie, il y a eu un festival de la mort juste derrière, c'était parfait. Oh non, pas encore des nouveaux symptômes. Allez, hop, toi, tu t'en vas. Nouvelle maladie bénigne se propage, au secours. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ah, quelle est sa tête actuellement? Oh, il est tout beau, le Neko. Magnon, il est tout beau. Vivement qu'il tue des gens, mais il est tout beau. S'il vous plaît, les bateaux, vous pouvez aller en Nouvelle-Guinée. Quels pays ne sont pas encore... Ah non, j'ai fait le truc des Philippines, ça le fait pas. Quels pays ne sont pas encore infectés? Que des pays d'Afrique. L'Afrique résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ah, la Chine a trouvé un meneur. Ah, la recherche a trouvé un meneur et c'est la Chine. 25% achevé. Ils vont vite, ils vont vite. Ils n'ont pas été aussi vite hein, pour un autre virus dont je tairai le nom. Bon, allez, juste pour un petit plaisir, on va changer sa génétique pour ralentir un peu le remède. Alors, vous voulez faire des avancées sur le remède en faisant le génome, tiens. Je change son génome. Problème, on va appeler les zombies. On va appeler les zombies. C'est pas tout de suite. Pas encore les zombies. C'est bientôt. Je vais encore être triste parce que je vais encore perdre sans avoir fait de zombies. Et pas ma soirée, je crois. Hein, si c'est ça. Et c'est la défaite. Défaite. Allez. Bon, on va réessayer. Ah, on va réessayer. Avant, je vais regarder
Les changements que je peux faire là-dessus. Ça, je garde. On va lui mettre darwiniste. Hein. Transmission terrestre ou transmission aérienne. Non, terrestre, c'est mieux quand même. Résistance au climat aride. On va lui encore changer son petit nom, hein, évidemment. Comment allons-nous l'appeler? C'est encore moi. On part sur c'est encore moi. Donc on va commencer avec c'est encore moi et on va commencer. Non. Pas ici. Pas ici, pas ici. Je trouve plus les Zimbabwe. Ah, bah j'ai commencé en Afrique du Sud. Dommage. Bon bah on va repartir sur salive 1, hein, comme d'habitude. Allez, on part sur salive 2. Tout de suite. Bon, on part tout de suite sur Roi. Ah, allez, hop, j'ai les poires, on y va. Bon, on part tout de suite sur l'eau niveau 2 parce que je n'écoute pas Monsieur SYZ. Bon, alors, le sort, c'est 13. Bon, bah, on va faire le sort derrière. Hein. On est dans un pays pauvre. Et bah, pas pauvre, mais on est dans une zone pauvre de base. Donc, il faut le faire. Et on part sur le sort. Hop, oh, un bateau. Il va où ce bateau? Oh, c'est quoi ça? C'est l'Arabie Saoudite. D'accord. Du coup, vu que je sais pas comment ils nomment les régions, le jeu, je préfère pas dire de bêtises et regarder. Hein. Ah, il est déjà en hypersalivation. Ah, bon bah tant pis, hein. Ça va en faire encore un de perdu. Ah, non mais ce conseil, les bulles rouges donnent de l'ADN, au bout d'un moment on commence à en avoir marre. J'ai dit, c'est étrange, hein. Hypersalivation, ils l'ont pas trouvé encore. Ah si, ils viennent de le trouver quand même. Ah, liste de surveillance, c'est moins bien. Trop de pays. L'Italie a fermé ses aéroports. Non, trop de pays ne sont pas touchés. Non, bien, il a fait plein de pays. C'est hyper bien, t'aurais pas pu faire ça avant qu'ils te découvrent. Pourquoi c'est un bateau pas infecté qui va au Groenland? Je vois un bateau y aller, je fais non. Il est pas infecté. Ah, allez, vous allez avoir plus de mal à. Bon, allez, hop, on va tout de suite dépenser pour ça. En plus. Et résistance aux médicaments en plus. Allez, hop. Bon, bah c'est foutu, le Groenland ont fermé leurs ports. Et ben hop, vous avez fermé vos ports, donc c'est encore perdu. Donc, hein, on part tout de suite hein, pour faire des zombies. On rigole un peu au moins. Il faut 14 points. C'est moins drôle. S'il te plaît, gagne des points. Qu'on s'amuse un peu. Pas qu'on finisse encore parce que tout le monde a été guéri. Et c'est encore perdu. Et une nouvelle défaite. Donc, quel sera le nouveau nom de la quatrième version? Bah, la cinquième, techniquement, du coup, de ce virus. Et la quatrième de ce soir. C'est parti pour la quatrième sera la borne. Et on va donc commencer en France. Ah oui, allez, en France. Bon, bah, transmission par la salive, hein, automatiquement. C'est bien la salive. Oui, encore une fois, un virus nécro. Allez, pour la quatrième, on va le lire, hein, pour le plaisir. La quatrième sera la bonne, est un virus nécroa. Il possède des compétences de régénération combinées à de fortes demandes métaboliques. Mais la majorité de sa structure génétique est un mystère. On passe tout de suite à salive niveau 2. Allez, on part tout de suite sur l'eau niveau 1. La mafia danoise devient trop puissante. Alors déjà, d'une, je ne savais pas qu'il y avait de mafia au Danemark, mais allons lire ça. Hein. De récents événements impliquant la mafia danoise ont forcé le chancelier allemand à lancer une enquête sur le crime organisé et le manque de civilité urbaine. Mais du coup, c'est en Allemagne ou au Danemark? J'ai pas pris les médicaments, j'ai cru les avoir pris, mais je ne les ai pas pris. Je fais des bêtises. C'est infecté, GG. La quatrième sera la bonne, commence à se propager. Il était temps. Des points. J'aime les points. Ah, là c'est des vrais nouveaux pays. Et en plus, ils changent de continent en plus. C'est parfait. Oh, l'art des touchés. Encore un nouveau continent touché. Oui. Climat froid, encore plus froid. Ah. Ça, quand on dit ça veut dire il faut au moins que tu mettes un résistance au froid. Hein, sinon, il va pas y arriver. Vous savez quoi, résistance au froid, je prends le niveau 2. Parce que je commence à en avoir marre. C'est au moment où je dis il est long. Hop, de nouveaux pays infectés. On adore. Alors. Hyper salivation, vous savez ce que j'en pense. C'est bien, hein, mais non, non, s'il te plaît, n'évolue pas tout de suite. Alors, non, je ne veux pas voir l'Australie, je veux voir le monde. C'est misclic. Beaucoup trop de pays pas encore touchés, beaucoup trop encore. Et toujours. Je vois des bateaux aller au Groenland, mais ils sont pas infectés. Non. Non, non, mais il reste encore plein de pays pas infectés en vrai. Oh, le Groenland. Bonjour, hypersalisation. Oui, c'est bien, mais non, au final, je vais pas le garder tout de suite. Je préfère garder mes points pour le moment. En vrai, non, je préfère attendre qu'il infecte plus de monde. Bon, bah tant pis, hein, je laisse l'hypersalisation. Tant qu'ils l'ont pas vu, ça va. Ah, vous avez trouvé un meneur? Allez, polygraphie, gastro-entérite, cannibalisme.
et réanimation cytopathique. Oh, des zombies. Ah, les premiers morts confirmés. Et les premiers 4 zombies aussi. Lancez la horde. C'est parti. Il tue à tour de bras. C'est parfait. La quatrième, c'est la bonne. Transforme les gens en zombies. Accablé de preuves, les gouvernements ont confirmé que la quatrième est la bonne. Peut déclencher une agression pathologique chez les cadavres. Mais affirme que la situation est sous contrôle. Sous contrôle, sous contrôle. Je ne suis pas sûr. Est-ce que... Oh. Contrôle moteur amélioré. Oui. Tue plus vite les gens. Ah, ah bah, il n'y a plus de Japon par contre. C'est triste. Oh, j'avais pas vu ça. Le virus ralentit les productions d'enzymes digestives depuis... Ah, ça ralentit la décomposition. Compétence active qui permet de former des hordes pour franchir étendue terrestre et maritime et attaquer de nouveaux territoires. Mais en fait, j'aurais dû garder ça. Le cerveau des cadavres infectés, ce qui réanime certains des morts. Oui, bah oui, bah réanimons des morts. Toujours plus. Et rendons-les plus forts aussi, évidemment. Évidemment. Parce que vous savez quoi? Bon, tant pis pour le remède, laissons-les. Mais, ah, vous voulez lutter contre les zombies? Tiens, 4000 zombies en plus. J'espère que ça vous fait plaisir. Oh, le remède est achevé. Le problème, c'est qu'il y a des zombies maintenant. Oh, oui. Oui, mais oui, oui. Utilisons nos points. Rendons la horde plus forte. Empêchons l'heure qui meurt. Oh, cette tête. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Les zombies toujours plus forts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Les premiers... Alors... Les protéines neurologiques régénératives permettent aux cadavres avec de graves blessures à la tête d'être réanimés. Mais oui, réanimez-vous. C'est ça, The Running Dead. Bientôt dans vos salles. Bientôt sur vos écrans. Ah bah non. Les zombies régénérés restent souvent immobiles, attendant qu'un humain les approche. Donne aux zombies animés un avantage au combat. Mais il y a des avantages au combat. Alors, les zombies régénérés ont des organes internes en partie liquéfiés qui iront facilement. Donne aux zombies réanimés un avantage au combat. Oui, mais oui, oui, mais des avantages au combat. On veut des avantages au combat. Qu'est-ce qu'il y a, le Moyen-Orient? Oui, oui, mais allez-y, allez-y, le Moyen-Orient. Attendez, j'arrive, je vais vous ramener... Ils font des hécatombes, ces zombies, dans le monde. Je suis pas prêt. Trop d'hécatombes d'un coup. J'étais pas prêt. Et bah, vous savez quoi? On va acheter l'instinct de Horde. Parce qu'on peut l'utiliser comme on veut. Et ils vont se déplacer au Moyen-Orient. Allez au Moyen-Orient, les gars. Allez-y. Ah non, c'est depuis le Moyen-Orient. Alors, de Chine au Moyen-Orient. Métastase crânienne, mais vas-y. Un développement neuronal partiel est déclenché dans les poumons, ce qui permet de réanimer certains cadavres décapités. Mais c'est bien, le virus ressentit la proposition d'enzymes digestives depuis les isophiles. C'est juste ressentiment la décomposition des corps. Oui, mais décomposez-vous moins vite, les gars. Restez plus longtemps en vie. Et exterminez-moi le monde. Dites-moi, quel pays n'est pas encore mort? Ah, en fait, non, il y en a encore beaucoup qui sont pas morts. Ah, c'est juste que j'ai des points parce qu'ils font beaucoup de victimes. Oh, bon, c'est déjà pas mal, hein, en vrai. Hein. Je crois que ça va être la défaite à cause du Moyen-Orient. Invasion zombie au Canada. Les zombies entrent dans le QG militaire à Canada. Disparition du haut commandant, ce qui... Oui, mais pourquoi vous avez pas fait ça au Moyen-Orient, les gars? Et ça va être la défaite. Allez, allez. On se dépêche de mourir, zombie. Plus de 7000 morts, moi je dis, c'est du bon travail. Et donc, nous allons nous arrêter là.